Hein, donc je coupe la... comment dire, hein, des... comment dire, un peu de menthe pour Madame Blancard qui avait pu se mettre dans son jardin, n'est-ce pas? Alors il y a plus de 600 variétés de menthe à travers le monde. Hein. Et là j'ai quelques petites dizaines de variétés. Là ce que je disais, c'est ça, menthe panachée ou menthe ananas. Un petit arrière-goût d'ananas effectivement. Quand on la frotte un peu, quand on le met, on peut le mettre avec mélangé dans le thé. Ou même en infusion seule. Hein. Très très bon. Des vertus. Je ne connais pas toutes les vertus. Toutes les menthes ont leurs vertus. Elles ont une vertu commune et après elles ont des petites vertus chacune. Voilà. Là, pareil, ça c'est de la menthe bergamote. Voilà. Menthe bergamote. Très bon pour les messieurs en particulier. La menthe bergamote en particulier. Voilà. Il y a de la menthe fraise aussi. Toujours pareil. Un petit arrière-goût de fraise quand on la frotte. Et donc du coup très bon à mélanger avec comment dire, la fraise, le fruit. Et un petit peu de vinaigre balsamique. C'est tout. Pas besoin de sucre, pas besoin de rien du tout. Voilà, juste comme ça. Il y a aussi ce qu'on appelle la menthe suisse. Là, elle est un peu fanée. Alors j'ai peut-être fâché un peu les Marocains, mais elle a beaucoup plus en saveur, elle est beaucoup plus forte que ce qu'on appelle la menthe marocaine. Voilà, la menthe suisse ou la menthe verte, là. Et franchement, elle a... Oh, elle t'emporte la bouche carrément. Voilà. Désolé pour les maghrébins. Voilà. Bon, c'est tout, maintenant je vais mettre ça. Voilà, dans de la terre. Ah si, il y a celle-là qui est intéressante aussi. Voilà. Pareil, une autre variété de menthe qu'on appelle la menthe des montagnes d'Amérique. Voilà. Alors c'est le nom vulgaire, hein. le nom latin en tant que tel, je ne connais pas. Voilà. Donc on peut s'amusant, même au niveau de la fleur, au niveau de la feuille aussi. Pareil, elle a une odeur particulière. En fait, toutes les menthes ont vraiment leur odeur particulière. Et leur vertu. Voilà, voilà, voilà. Bah merci Richard. Mais y a quoi? Mais où la sarriette? La sauge aussi, tiens. Sarriette, je sais pas comment ça s'appelle. La sarriette, ça c'est une sauge, voilà. Pareil. Une sauge ananas. Alors c'est pareil, c'est son nom vulgaire, son nom. Je connais pas. Pareil, une autre variété de sauge à côté. Et donc là, vous avez aussi une variété de Pokémon. Oui. Qui passe. Donc, vous pas deuxième Pokémon. La sarriette. Je pense que le gros pied de sarriette. Je vais le poser. Moi, je suis un malade. Yeah.